Et bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau replay secret. Bon, ça c'est ça. Alors là, moi je suis, c'est ça, c'est pour moi. Ça c'est vraiment, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de choses. Vous voyez comme moi ce que j'ai mis au milieu de l'écran. Vous allez voir que j'avais déjà mis un replay Any% World Record. Là, j'avoue qu'il y a match. Là, j'avoue qu'il y a un sacré match. Vous allez voir le timer, on va chronométrer. C'est voir. Je crois qu'on a un nouveau world record. Je crois que le record du monde a été battu. Je me prépare à lancer le timer quand le tour de chair va commencer. Parce que... En plus, quand vous voyez la main, vous voyez toujours pas comment il va se démerder. Vous avez peut-être un indice, mais... Ah, c'est trop bien. Alors, attention. Attention, attention, attention. Faut pas que je loupe le lancement du timer parce que je veux un chrono accurate. Début du tour. Hop, à la draw. On va considérer que c'est à la draw. Voilà. Bam. Main phase 1. On équipe ça au monstre en face. Et on attaque. Boum. Boum. Allez, 13 secondes 50 environ. Voilà, 13 secondes 50. Et basta. Voilà, c'est terminé. Bon, c'est un. Non, c'est plus. Faudrait. J'avais pas pensé à mettre le live split à l'époque pour le Blue Eyes la fois 3, mais là, je pense que c'est un peu plus rapide parce que j'avais quand même fait des tests en record. C'est encore la chair a explosé le record du monde quand même. Parce que c'était environ 10 secondes de plus le Blue Eyes parce qu'il fallait attaquer 3 fois, ça mettait un peu plus de temps et tout. Là, en gros, du coup, le train, il dit qu'en fait. Les dommages de combat sont infligés à l'adversaire, donc il a zéro d'attaque. Et la magie d'équipement donne 2000 d'attaque au monstre équipé. Donc, il y avait 4300 de différence. Donc l'adversaire prend 4300. Et la magie d'équipement dit que l'adversaire prend des dommages et qui va reprendre le même nombre de dommages une deuxième fois, quoi. Ça a fait 4300 x 2, quoi. C'est une magie d'équipement UR qui pourra être utilisée dans Mikanko plus tard. Bon, c'est un deck, c'est dans longtemps, mais bon, bref. Voilà pour juste comment ça se fait que il s'est pris comme ça. 8600 dans la gueule, mais c'est voilà. GG, hein, moi j'applaudis les records du monde, hein, c'est du joli speedrun, on apprécie. J'espère que vous avez kiffé, du coup, voilà. Merci, au revoir.